Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Tommy Tecaimo, 76 et 974, toujours dans le 76 pour le moment, mais sur l'île de la Réunion dès septembre. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des projets immobiliers, vente, gestion, acquisition dans le neuf. Nous faisons de tout donc dans notre superbe agence TK. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc là, nous allons en visite sur la magnifique maison de Bazinval qui a eu 3 offres. Mais malheureusement, encore une fois, on ne va pas plus loin parce que les crédits ne passent pas. J'aimerais réagir sur ce côté-là. C'est quand les personnes viennent visiter, c'est pas une location, c'est une vente. Donc c'est vrai que c'est bien. Avant toute chose, avant même de visiter, j'arrêterai pas de le répéter, de bien regarder votre emprunt, votre rapport personnel. Vous savez que les banques ne prêtent plus si vous n'avez aucun apport privé. Donc ça, c'est radical maintenant à l'heure d'aujourd'hui. C'est possible d'acheter, les amis, mais vraiment, ayez un apport. Voilà, alors selon le cas, 10 à 20%, 30 c'est parfait, mais ayez un apport. Les 3 dossiers que j'ai eus, donc le premier qui a échoué, qui est parti en compromis et qui a échoué, c'était pour une élévation en fait de la mensualité qui était vraiment trop haute. Le deuxième, c'était parce que tout compte fait, c'est ça traîner dans les longueurs des années de crédit et qu'on pouvait plus s'acheter un crédit voiture à côté. Donc vraiment calculer avant toute visite, hein, vraiment quand c'est des visites pour acheter, vraiment contrôler votre budget avant toute chose, faites-le contrôler par un courtier ou tout simplement venez me voir à dominique@tkmo.fr ou tout simplement à Dominique Calto, moi-même au 07 85 43 80 et 11, et moi je vous guide dans tout ça. Je vous guide pour faire votre plan, on va dire, de financement et avec un accord d'office, c'est-à-dire que avant même la visite, vous savez, si vous avez un coup de cœur, vous pourrez acquérir la maison. Donc ça, c'est très très important à l'heure d'aujourd'hui de comprendre que les banques, ce n'est plus les banques d'il y a 2 ans. Nous sommes malheureusement, on est au premier degré, c'est-à-dire on est vraiment sur la première ligne à dire que attention, attention. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas vous emmener un dossier en compromis si jamais ça échoue derrière. C'est à la fois une perte de temps pour le propriétaire, sachez que ça peut mettre 2 mois. Donc c'est 2 mois plus tard. On revend la maison, mais on n'y arrive pas, quoi. Donc voilà, soyez vraiment sérieux, surtout aussi quelquefois, peut-être, vraiment, vraiment intéressé par l'achat. Et avant toute chose, avant de visiter, allez demander soit à un courtier ou soit à moi-même si vous pouvez acquérir le bien que vous souhaitez visiter, tout simplement. Parce que ça ne sert à rien de faire reculer des compromis en sachant que derrière ça va tomber à l'eau. Vous comprenez bien que les propriétaires comme les acquéreurs, c'est très dur, et à la fois aussi pour le conseiller et le notaire également. C'est un travail de très haut, très longue haleine. C'est très très dur d'avoir des tombées comme ça de crédit. Donc s'il vous plaît, essayez de revoir tout là à partir de maintenant, parce qu'en fait il y a 2 mois ça passait, là ça passe plus, d'accord. Les dossiers qui ne passent plus là maintenant, ce sont des dossiers qui auraient passé il y a 3 mois. Donc si vous avez fait une demande de financement il y a 3 mois, refaites-la d'office, puisque de toute façon ça sera refusé. Donc, au lieu de perdre du temps dans une offre qui va durer de 8 à 10 jours, là, vous faites simplement réestimer votre capacité d'emprunt ou tout simplement revoyez votre rapport personnel. Voilà, c'était vraiment les 2 choses que je voulais vous faire partager aujourd'hui. Cette vidéo sera aussi sur YouTube,
Donc, pour vous expliquer que voilà, on ne vend pas une maison comme on loue une maison. On ne vient pas visiter une maison comme on loue une maison. Un achat de maison, c'est très important. Les mensualités peuvent s'envoler très très vite, hein. Vous savez que ça s'envole très vite. Donc, faites attention. Vous étiez à 700, bah vous pourriez être à 800 par exemple. Donc, bien calculer sa capacité d'emprunt avant même de déclencher une visite. Et venez me voir si vous avez des doutes. Et moi, je vous oriente vers mon courtier qui est rattaché à Domité Caïmo. Voilà, je vous retrouve très très vite, à bientôt. Je vous donnerai des infos de tous les biens qui sont à la vente en ce moment. Hein, qui, ça végète un petit peu, mais ça va revenir. Ne m'inquiète pas plus que ça. Je vous fais plein de gros bisous et voici la magnifique maison à côté de la forêt qui a été vraiment, on va dire, cette maison a été, comment dire, très très demandée. Elle a eu trois offres, une direction vers un compromis et ça a échoué à chaque fois. Donc là, Domi change son petit train-train. Et elle essaye de faire autrement pour qu'on arrive enfin à vendre cette magnifique maison. Avez-vous vu la vue? Non mais regardez la vue. C'est beau, hein? C'est magnifique. Voilà. C'est vraiment magnifique. Voilà, donc c'était la petite maison donc, de Bazinval. Je vous souhaite à tous un très bon week-end du 14 juillet si on ne se revoit pas. Et puis dans tous les cas, j'essaierai de vous faire de plus en plus de vidéos. A bientôt, Domité Caïmo 07 85 43 80 et 11. A bientôt!